Salut tout le monde, c'est Anuen. Aujourd'hui, on se retrouve pour le début d'une série. Donc, ça sera la série Warcraft 3 en compagnie de Niapi. Salut Niapi. Salut à tous. Donc, aujourd'hui, on se retrouve donc pour le Green Circle TD. C'est une super map, une map en coopération. Donc, là, on va partir. Le but, ça va être de défendre contre des vagues qui arrivent régulièrement. Voilà, donc c'est vrai que ça fait un peu une introduction rapide, etc. Mais bon, on n'a pas eu beaucoup de temps. Je fais un peu cette vidéo sur le tas parce que faut qu'on sorte du contenu. Et puis Warcraft 3, c'est un très bon jeu. C'est un vieux jeu, mais c'est un très bon jeu. Et là, il y a tout le monde qui est en train de charger. Allez! T'as chargé toi? Ouais, moi c'est bon. Voilà, j'espère que vous allez bien. Parce que là, on va gérer les vagues là. Donc en fait, le but ça va être de poser des tourelles qui vont détruire, qui vont tuer les monstres, Les vagues. les vagues de monstres qui vont arriver. Il faut pas qu'il y ait 700 monstres en vie sur la carte. S'il y a plus de 700 monstres en vie sur cette carte, c'est fini. Donc bah, faut que chacun gère dans son coin quoi. Il faut pas qu'il y ait de mecs qui fassent d'erreurs. C'est celui-là, c'est le méga ou pas? Ok. Alors. Hop, je suis ici, nickel. Alors je vais mettre une petite tourelle slow ici. Hop. Merde, non, c'est pas ça que je voulais faire. Du coup, je la vends. Ça me. Mais non, mais putain, je fais deux fois la même erreur, mec. Oh là là, je regrette toujours la tour de glace en fait. Voilà, et Il y a des critical tower, hein, si t'as vu. merde, bon bah j'ai fait que l'up sans faire exprès, vous m'en voudrez pas. De toute façon, c'est pas pourri une tourelle EP comme ça, c'est pas si mal. Hein. Ouais, donc voilà, là je fais trop de la merde. J'ai En fait, chié c'est à avec chaque cette. fois, c'est un mode différent, donc il se perd. Oh, c'est bon, ça passe plus. Oh là, j'ai fait passer trois monstres, oh, c'est con quand même. On va se faire une Critical Tower. Ouais. Ah, je connais pas cette carte là. C'est un mix de tout ce qu'on a fait. Ouais, c'est ça. Alors, hop, on va faire ça. On va se faire. On va upper la Critical Tower. On va se faire une tourelle comme ça. Poison Tower. Les gueules montent vite. Les gueules montent très vite. Hop. Donc faut savoir qu'on joue sur Tangle, donc c'est un réseau Warcraft et d'autres jeux, hein, des centaines de jeux. Et c'est un réseau qui permet de faire une sorte de connexion entre tous les joueurs en LAN. Du coup, c'est vachement bien si vous voulez rejoindre une communauté plutôt active. Quand même pas mal de monde. On se retrouve souvent, hein, y a souvent les mêmes personnes. C'est pas. Hop. Hop. Faudrait que je fasse une destruction de tower là parce que les golems montent beaucoup, beaucoup plus vite que d'habitude. Ouais. Il y a beaucoup plus de tourelles aussi. Enfin. Alors custom tower, allez je tente, c'est quoi ça? J'ai fait une sorte d'Illidan. Custom quoi. Ah ouais, on peut lui. Ok, elle a un pouvoir qu'on peut lui faire claquer, ok. Ok, genre si c'est pour les vagues, hein, c'est compliqué. Donc on va faire pas mal de vidéos sur Warcraft 3. En fait, on va faire. Je pense que si j'ai de la place sur le SSD, je continuerai à filmer comme ça des petites parties. On partagera un peu. Alors, toi, t'es lequel couleur? T'es le. Moi, je suis en haut à droite. Je sais Ouais, t'es le violet. Ok, donc Tiampi il a fait exactement la même chose que moi. Il a mis toutes les tourelles qu'il J'ai pouvait. mis, ouais, voilà, j'ai mis toutes les tourelles possibles. Hop. Je vais
vais faire une destruction tower. C'est important, je sais que c'est fort comme tour. Donc vous voyez, il y a un petit peu de lag vu que c'est quand même un réseau en LAN quoi, mais ça dépend, ça va vraiment dépendre de celui qui host. Hein. Et parfois il y a des mecs avec des fibres optiques qui hostent très très bien. Et parfois il y a des mecs avec des connexions en bois qui ouais. Qui hostent, c'est un peu le bordel. Hop, oh, bah, c'est bon. J'ai pas envie d'augmenter ça. Je vais faire l'avatar de la vengeance. Bon, les tourelles poison c'est une valeur sûre. Sur tous les tours de défense qu'on a fait. C'est un peu craqué. Enfin ça dépend mais souvent ça aide. C'est vrai. Hop. La critical elle a l'air de bien marcher je pense. Ouais. Ça c'est du tour défense, il y a aussi pas mal de donjons, de mini-jeux. Enfin il y a vraiment de quoi s'éclater sur le jeu. Je crains que je laisse passer les vagues. Hein. Ah quoique. Si je bats cette tour là, ouais ça va le faire. Oula, elle fait des dégâts partout. Moi que je la up parce qu'elle fait n'importe quoi. La destruction de tower là, quand je l'upgrade, elle fait des vagues de feu dans tous les sens là, c'est très étrange. Oh. Tu l'as eu où le navire là? Navire c'est la multishot, c'est single tower et après je crois que tu la mets en multi. Je pense. Je me rappelle bien. Allez, on va appeler les tourelles. Ah, je suis désolé si ça spam un peu l'écran, c'est vrai que c'est assez dégueulasse cet effet de feu là. Tu l'as vu ce. Tu l'as. Regarde orange. C'est horrible. Ah oui. Ah oui, c'est ton. Oui, c'est ta destruction de. Faut que je le vois. Ok, Aïe, il a fait. La technique full frost, il a mis 4 frost, 5 frost mec. Il fait toujours ça lui. Hop. Bon j'appelle un peu de tout hein. Moi je fais un peu n'importe quoi et ça marche complètement. Donc on va continuer comme ça. N'importe quoi, je peux à toutes les. Parce qu'en fait, c'est vraiment un mélange de tous les tours de défense qu'on a fait. Là, il y a un peu. Là, il y a un peu de tout quoi. Pour ça, je fais la poison tower à fond parce que je sais très bien que c'est. Le truc qui marche bien quoi. Valeur sûre. Après, la destruction tower aussi. Pour ce qui est du frost, je l'ai EP, mais bon, j'aurais pas fait sur l'autre. Un vague immune là. Je laisse passer un tank. Moi ouais, je laisse rien passer, c'est bon. Je laissais passer un tank là qui je sais pas, il fait sa vie. Quoique, what? Mais ils sont assez violents ces grunts là. Ouais, ils ont beaucoup de vie hein. C'est. Je sais pas. De toute façon, on est à 150 ennemis sur 700, on est tranquille encore. Faire attention quand même, sinon je pense que c'est rare. Alors, est-ce qu'il y a des héros? Ouais, je vais faire une aura tower, c'est ça qui manque mon truc. Bah, héros, c'est à la fin, c'est vague finale. Non, mais les héros en tour. Ah, pardon. Non, il y en a pas. Il y en a pas. Ah, j'ai fait les doubles auras, ça fait du bien. Il faut que je les fasse. Ah
Ah, les pièges dans les tower défense, c'est d'économiser, hein. C'est vraiment le truc à pas faire parce que si vous optimisez, vous économisez parce que vous jugez que cette vague passe tranquille, la suivante, c'est pas sûr qu'elle passe tranquille. Donc essayez toujours d'utiliser, d'optimiser vos ressources. Si vous avez genre 2500 gold et que vous avez une tour et que vous voulez faire une tour à 5000 mais que vous voyez que vous pouvez en upgrade une à 2500, bah faites-le. Généralement, c'est conseillé. Par contre, elle commence vraiment à me saouler la destruction tower. Faut vraiment que je puisse l'up. Quand ça pique les yeux, quoi. Ok, lui, le sais faire, il fait du spawn kill en fait. Je sais pas si t'as vu. Le rouge. Ouais. Ah ouais, ok. Il a mis 4 poisons de tower. Ouais. Ouais, c'est une valeur sûre. Hein. Ouais, moi j'ai mis un peu de tout. Pour parce que je pense que si, ouais, voilà, si ont fait toutes ces tourelles, c'est qu'à un moment il y a une utilité à faire chacune d'entre elles. À un moment, ouais. Bon, allez. J'économise, je fais la petite connerie, j'économise juste pour essayer d'enlever cette destruction tower quoi, qui est horrible. Ah voilà, j'ai économisé, ça commence à être dur. Allez, allez. Ah ouais, tu laisses passer un petit peu. Ouais, mais ça vraiment ça devait déchirer les yeux. C'est bon, maintenant ça passe crème. Non, ça passe pas. Ouais, ça passe pas. Le monstre ne passe pas. Ok, la Chaos Tower, faudrait que je l'up parce que là elle est un peu useless. La Chaos Tower, à chaque fois je me demande s'il faut vraiment la faire cette tour. Finalement, ouais, en fait, elle tape qu'une personne. Non, mais c'est late game en fait. Même, non, franchement, la Poison Tower elle fait beaucoup plus mal. Elle tape plus vite. Je sais pas. La Critical aussi là. Critical, ouais, faudrait que je l'augmente parce qu'elle est vraiment pas mal contre les boss. Quoique je vais augmenter ma siège tower. J'ai une tower custom. Ouais, je l'ai. Putain merde, j'arrive pas à parler. Je l'ai mais. En fait tu peux claquer un buff pour qu'elle tape plus fort. Berserk. Ah ouais. Ah ouais, faut lui. Ouais. Donc voilà, pour l'instant c'est plus une découverte de map, il y aura des maps où on pourra vous proposer des vraies techniques. Des trucs parce qu'on commence à s'y connaître, genre les géantés des méga où on commence à être vraiment pas mal à force d'y jouer. Oh là là, oh là là. Je laisse tout passer. Attends, voilà, je sors déjà dans les commentaires, ouais, vous auriez dû faire ça, vous auriez dû faire ça. Ça va être le bordel. Je claque le buff. Ok. Ah, ok. Ok. GG. Ça fait mal. Hein. Ok. Ok, les taurennes, ça déconne pas. C'était, je sais pas quelle vague, je sais plus. Bon, c'était donc une première vidéo. C'était un Green Circle TD. C'était un peu particulier, c'est pas ce qu'on connaît. On est mort à la vague 16. Prochaine fois, on va essayer de faire mieux pour la prochaine vidéo. Donc, ciao, ciao tout le monde. Ciao.